peux mes lunettes. Voilà dedans. Voilà dedans. Mais j'allais me dire qu'il fallait s'habiller en égoutier. En quoi? En égoutier? Oui. Et il y a une échelle pour descendre? Non, c'est, on voit le sable, hein, c'était très bien. Ah oui, d'accord. Il faut ramper après. Il faut ramper après. Il y a une chaussure. Allez. Le problème, c'est pas la chaussure, c'est le pied qu'il y a dedans. Si ça sent les goûts, vous dites. Hein. Et nous, on est archéologues, donc on est des gentlemen. On est pas des spéléos. Elle est donc de château, les gars. C'est libre. Comment on remonte après? On remonte plus. Salut. T'as une GoPro quoi. Ouais, enfin, je l'ai fait. Ah, les lunettes, c'était une bonne idée. Pour... Là, j'y suis jamais allé, genre, ça c'est comblé. Donc, tu es droite. Droite. Donc, on va bien à droite. On va bien à droite. Ah, il faut retenir, c'est ça. Chacun retient droite, droite, gauche. Là, c'est toi et dedans. On va à droite, c'est-à-dire qu'on est dans la. Dans... On va vers le martel. Hein. Bordel. Le roi des cocus, on dit. Le roi des cocus et des cons. Là, c'est 1892, je sais pas. Ouais, là, il y a quand même. Il y a un thème récurrent. Ouais, il y a un thème récurrent, ouais. J'ai l'impression qu'on développe un vachement vers l'entrée du fossé. Hein. Non, non, mais en fait, t'as raison. On va vers le mortier. On regardera pas toujours le son, les gars, mais on en regardera un peu, ce sera marrant. À un moment, faudra dire des trucs sérieux. Oh, il était mort de Donc là, ça se poursuit, mais ça s'est effondré. On va être au niveau de la base de la dernière tour à bec de droite. Ouais, dans mon souvenir. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une... Oui, mais donc elle est devant. Elle est... Non, mais non, mais ça veut dire qu'il y a... Oui, non, mais je veux dire, elle est... Descendre, il n'y aura pas trop de soucis. Non, non. Ça va monter. Non, regarde, il y a des marches. Oui, en fait, il faudrait faire un petit scan 3D. Ah bah oui, là, quand même, hein. Ça va aller faire un petit scan 3D, là, dedans. Là, on est dans la piste, comment ça se fait? Eh ben non, en fait, on n'est pas dans les caponnières. Ah bah non, alors, bah, c'est malin, tu vois. On a fait tout ça pour pas être dans une caponnière. On est dans un simple caponnière. Ouais. Fais gaffe au bout de verre. C'est chaud. Et après, on En fait, on laisse Guillaume qui nous fait la courte échelle. En fait, c'est pas la caponnière, tu vois. Aïe! Par contre, c'est bien un couloir, la caponnière. Enfin, c'est bien un couloir qui a l'air d'en mis. Elle marche? Putain, Lyon, c'est que c'est où? Mais non, t'inquiète pas, en fait, c'est ta longueur de jambe. La longueur de jambe, t'es gentil, toi. En fait, c'est pas la caponnière. Mais j'ai entendu. Là. En fait, c'est une ancienne carrière. Mais il y a le ciel de carrière partout. Là, je te rends ton sachet de corps. Ça paraissait logique, hein, de toute façon. On n'a pas fait assez de chemin pour aller jusque là-bas. La première était vraiment martelée. Ouais. Et pour moi, la première, elle est complètement rasée. Sur le rocher, on voit les approches des murs. On les voit bien. Donc c'est pour ça que quand tu m'as dit qu'on allait descendre ici, moi je pensais qu'on allait aller dans l'autre, qui est peut-être un peu mieux concerné. Ouais, ouais. Bon bah par contre désolé toi ma mémoire elle tu vois, fait des blagues quoi parce que pour moi j'étais descendu Et là au couloir et peut-être un percement récent parce que pour moi les vrais accès aux caponnières c'était depuis le parc Bachet. Ok. C'était un énorme escalier qui descend. Ça a coulé, ça a eu coulé. Là, on a une belle lanterne. Bon,
Bah, désolé pour ces faux espoirs. Bah non, non, mais c'est pas grave. Je t'ai descendu tellement à l'arrache. Ça permet de découvrir qu'il y a quand même des nouvelles carrières qui sont très très bas en fait, hein, Samy. Bah oui, carrément. Ils sont pas seulement au niveau des fossés, du fond des fossés. Oui, c'est ça. Et là, c'est la torture. Le plafond, il s'est peut-être écaillé un petit peu. Allez, on suit quand même. Ouais. Et après. Ah, tu peux me tomber dessus, je suis là. Attends, je suis gros, mais c'est tranquille. Si j'avais déjà fait, je pourrais faire. Ça, c'est pas ça. Ouais, donc c'est moi qui reste au fond. D'accord. Il y a des encoches partout. Tranquille les gars, la remontée, tranquille. Alors vous aurez remarqué la jolie taille à la bréture. Ouais. Qui vient pas avant la fin du 15e. Donc... La bréture, c'est quoi? C'est ça là, en fait c'est une hache avec des dents. Et du coup les traces qu'on voit c'est l'interstice entre les dents. On a la dent là qui fait le plat et puis le petit replat là, ouais. Et bien c'est l'interstice entre les dents. Donc c'est une hache à pierre. Et c'est un outil qui apparaît en Touraine que dans les années 1480. Et qui arrive au château de Loche avec le chantier Renaissance, 15e. D'accord. Et si tout se passe bien, dans ce qu'on a compris, les caponnières sont plutôt de l'extrême fin du 16e, après 1586. Ce qu'on a, si on repart du texte du Huguenot, là, c'est ça dont... C'est ça. Ouais, c'est la source principale. Là. C'est ça. Super description des fortifications. Ouais. Là, le rocher, il est à nouveau plus haut. Ouais. Damnation mémorielle. Oh. Pourquoi il est comme ça là ? Ludovic ? T'as vu le soin qui est porté là, sur le changement de direction ? C'est quand même maçonné avec beaucoup de soin quand même. Hein, cette partie-là. Ouais. Bah, tu vois bien que ça devait quand même descendre d'où on vient. Après, ça va bien parce qu'on est... Alors que de l'autre côté, ça a été reversé. T'as le rocher qui est juste là. Ouais. Et en fait, là, on doit être à la limite de la porte. Il est pas trop loin, c'est pas trop loin. Oh, ça va, on va pas toucher vite, ça. Merci pour l'aide. C'est pas l'aide ? Non, non. Bien plus à l'aide que moi. Bon ben voilà, ben, tu vois la mémoire elle fait des blagues. Bah ouais. Non bah tant pis hein, c'est déjà le couloir, c'est impressionnant. Petite caponnière au bout du couloir, ça aurait été sympa. Ouais mais tu vois c'est ce que j'avais en souvenir mais ouais. C'est pas ça. Non en fait faut que tu hisses pour aller poser un cul. Et on est prêt à regarder. Voilà. Oh il est fort. On a, c'est ce qu'on a tous. Moi j'ai pas réussi à faire.